bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, it's your boy, Engel. Et nous sommes encore dans la série « L'échec fait partie de la réussite ». L'échec fait partie de la réussite. Je vais donner autant de personnages qui ont d'abord échoué avant de réussir. Alors rappelle-toi, aujourd'hui, on a tellement mystifié le terme échec. On a la peur de l'échec, on a peur d'échouer. On a tellement peur d'échouer qu'on ne commence même pas, qu'on ne débute même pas. Tellement on a peur d'échouer. Mais j'aimerais te dire, n'aie pas peur de l'échec parce que l'échec fait partie de la réussite. N'aie pas peur. J'aime bien souvent dire que la peur tue plus de personnes que toute maladie confondue. Oui, la peur tue plus de personnes que le cancer, la peur tue plus de personnes que la grippe, la peur tue plus de personnes que la malaria, toutes les pestes, la peur tue plus de personnes, la peur a tué plus de rêves que toutes les maladies. C'est pour ça que ne laisse pas la peur de l'échec t'empêcher de faire ce que tu dois faire. C'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui je vous parle de la cinquième personne qui m'inspire. Cinquième personne qui m'inspire énormément. Et cette personne-là, c'est toi. Pourquoi tu m'inspires? Parce que je sais que tu ne vas pas abandonner. Je sais que c'est difficile présentement. Je viens de te parler de des autres personnes qui m'ont inspiré parce qu'ils n'ont pas abandonné et ils sont devenus des items et des icônes de réussite. Alors la cinquième personne qui m'inspire, c'est toi. Pourquoi c'est toi qui m'inspire? C'est parce que je sais que tu ne vas pas abandonner. Après, tu viens de m'écouter, tu viens d'écouter tout ce que je viens de dire. Tu ne vas pas abandonner malgré ce que les gens disent. Tu ne vas pas abandonner malgré ce que les parents ont dit. Tu ne vas pas abandonner malgré ce que tes amis ont dit. Tu ne vas pas abandonner. Malgré ce que ton professeur a dit, tu ne vas pas abandonner. Malgré ce que tes collègues ignorants ont dit, tu ne vas pas abandonner parce qu'ils n'ont aucune idée de comment sera ton avenir. L'important n'est pas comment tu commences. L'important, c'est comment tu finis. Même si tu as mal commencé, tu peux bien finir. Même si tu as commencé bizarrement, tu peux bien finir. Même si ton enfant n'a pas été facile, tu peux bien finir. Alors ne t'inquiète pas. Même si les gens te disent que oh, là, j'ai déjà avancé, tu deviens déjà trop vieille, tu deviens déjà trop vieux. On s'en fout de ce qu'ils disent. Ils n'ont aucune idée. Ils sont ignorants. C'est pour ça qui te parle comme ça. Et tu m'inspires pourquoi? Parce que tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas lâcher la vie. Tu ne vas pas lâcher. Parce que peu importe les embûches auxquelles tu fais face présentement, ton avenir peut être grand. J'aime souvent dire plus grand est le problème, plus grand sera la récompense. Plus grand est le problème, plus grand est la récompense. Rappelle-toi, plus grand est le problème, plus grand est la récompense. Alors tu m'inspires parce que tu ne vas pas abandonner. J'aimerais te voir dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques semaines et tu me dises qu'écoute, Engel, je n'ai pas abandonné. Engel, je n'ai pas abandonné, voici ce que j'ai accompli. Engel, je n'ai pas lâché, voici ce que j'ai fait. Engel, je n'ai pas abandonné, je n'ai pas lâché, voici ce que j'ai fait. Tu m'inspires parce que tu ne vas pas abandonner. Alors répète après moi, je ne vais pas abandonner. Répète encore, répète après moi, je ne vais pas abandonner. J'irai jusqu'au bout. En fait, tu as déjà mal. N'abandonne pas maintenant, tu as déjà mal, ça fait déjà mal. Ça fait déjà mal, n'abandonne pas maintenant. Ne lâche pas maintenant, ça fait déjà mal. Alors continue dans ton mal. Tu as déjà mal, tu as déjà des doutes. Ça fait déjà mal dans le cœur, il t'a déjà laissé. Elle t'a déjà laissé, ils t'ont déjà abandonné. C'est correct. Parce que la vie donne ses meilleurs combats à ses meilleurs soldats. Alors tu m'inspires parce que tu n'as pas abandonné. N'abandonne pas. Alors enregistre ce que je suis en train de te dire. Répète-toi, mets-le en repeat quelque part dans ta voiture. N'abandonne pas. Tu vas m'entendre dire, tu m'inspires parce que tu n'auras pas abandonné. Alors j'ai hâte de te voir dans 5 ans. J'ai hâte de te voir dans quelques mois. J'ai hâte de te voir dans quelques semaines. J'ai hâte de te voir dans quelques années. Parce que tu n'auras pas abandonné. Tu seras une icône de la société. Alors c'était tout pour aujourd'hui. La cinquième personne qui m'inspire, c'est toi. Alors n'abandonne pas. Je sais que tu as beaucoup pleuré. Je répète encore, ça fait mal. C'est compliqué, c'est difficile, mais tu m'inspires. Tu es extraordinaire parce que tu n'as pas abandonné. On se voit dans une prochaine vidéo.